qui est bien, c'est qu'il te lance dans le jeu sans t'expliquer le scénario. Du coup, bah voilà, tu joues à un hérisson bleu qui se promène à la plage, tu sais pas pourquoi. Les soleils sont chiants. Alors les crabes rouges, ils jettent des boules avec leurs papates. Et je me souviens qu'il y a des passages secrets aussi, mais ils sont. Enfin, ça fait longtemps, alors je sais pas si je vais réussir à les. Bon. Oui, genre là. Alors. Ah bah les jeux de Mega Drive, merde voilà, donc là en fait si je saute bien, je peux passer au-dessus des pics et aller en dessous. Ah putain, bah voilà, et aussi mourir comme ça parce que je viens de me faire toucher. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, les anneaux c'est ta vie. Et quand tu te fais toucher, tu perds tous tes anneaux, tu peux les récupérer au vol. Et voilà, et tu peux mourir comme ça aussi. Voilà. Et quand t'as plus d'anneaux, bah tu meurs. Et les vies, c'est en bas à droite. En bas à droite. En bas à gauche. Et du coup, bah j'en ai plus que deux maintenant. Merde. Mince, ça perd les popettes. D'accord, oui, bah pas de soucis. De toute façon, je compte refaire plein de jeux de Mega Drive, donc. C'était un peu juste ça. Allez, fais un peu de balançoire. Une plateforme qui vont bien, le grand classique des plateformes qui s'effondrent sous tes pieds. Hop, une petite caisse d'invulnérabilité. Comme ça on peut courir comme un débile. Allez, hop, on va courir comme un débile. Merde. J'ai appuyé. Qu'est-ce que j'ai. Je crois que j'ai redémarré le jeu. Ok, donc la touche tabulation redémarre le jeu. Impeccable. Ok, bon. Bah je recommence depuis le début, mais je vais faire les deux premiers niveaux en rapide. Ah, c'est des aléas quand on débute. Hein. Ça, je connais ce niveau. Ça me dit quelque chose. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder à chaque fois que je finis un niveau. Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde normalement dans ce jeu. Mais avec l'émulateur, tu peux sauvegarder n'importe où. Voilà. Donc je vais faire ça rapidement. De toute façon, les premiers niveaux, je les connais par cœur. Ah, mais comme ça, je vais pouvoir refaire le niveau bonus et essayer d'avoir l'émeraude. Par contre, je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, tu peux avoir un émeraude, et quand t'as tous les émeraudes, il se passe quelque chose. Oh purée. Le traître, il a voulu me prendre par derrière. En fait, c'est un jeu d'actualité parce qu'on doit sauver la nature. Ah zut. Ah, le niveau qui rend malade. Le niveau qui rend malade. Avec la petite musique là. Ah purée. Ah, en fait, les trucs là, ça me fait sauter tout seul les espèces d'étoiles là. Ah. Non, pas là. Alors, il faut que j'aille à un endroit où il n'y a pas des trucs rouges. Ah, c'est par là. Non, non, non. Reviens, reviens. Non. Allez, va dedans. Voilà. Il faut choper l'espèce d'anneau qui a... L'espèce d'émeraude qui est coincé, comment dire ça, les espèces de cristaux, là, qui changent de couleur quand t'es dessus. Et au bout d'un moment, ils vont s'effacer à force de sauter dessus. Voilà. Si j'ai pas une migraine avant... Avant la fin du niveau, ce sera très bien. Allez, allez, rentre dedans. Voilà.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Non, mais les développeurs cherchent pas, ils ont fumé parce que je veux dire, quand tu tues une mouche, ils se transforment en lapin, quoi, donc. Oui, c'est ça, et c'est fait exprès, bien évidemment. Mais moi, je les aime bien, ces niveaux-là, ils sont rigolos et ils sont de plus en plus durs. Forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Allez, je suis invincible pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Allez hop. Ah non, en fait, c'est aléatoire parce que là, la mouche, elle s'est transformée en pingouin. Enfin, j'appelle ça des pingouins, hein, mais. Un jeu comme celui-là, je me souviens plus du tout combien de temps je mets. Ça dépend de ta vitesse. En fait, si tu veux, c'est un jeu qui est vraiment fait aussi pour les gens qui aiment bien faire de la vitesse. Tu vois, j'ai du temps à gauche. Là, celui-là, je suis à 1 minute 25. Et en fait, le but de certaines personnes, c'est de finir le jeu le plus vite possible. Par exemple, il y a des niveaux, tu peux les finir en 2 minutes si tu prends vraiment aucun pas le temps, tu vois. C'est juste que moi, je prends le temps parce que j'aime bien. Merde, j'ai encore. Mais. Voilà. Ah, je crois qu'on arrive au boss. Voilà. Donc j'ai une petite astuce, hein, je le connais par cœur celui-là. Voilà, déjà 3 coups. Un quatrième. Avec cette magnifique musique. Enfin, je vais pas chanter. Ah, c'était dur, hein. Oh là là. Ah, j'ai transpiré. Et voilà, l'objectif, c'est donc de libérer tous les animaux en sautant sur ceci. Donc on a libéré les oiseaux et les lapins. Voilà, tu vois, t'as même un score par rapport au temps que t'as fait, par rapport au nombre d'anneaux que t'as utilisé, etc. Là. Alors ce niveau là, ça commence déjà à être un peu plus sérieux. Donc là c'est des petits fantômes. Alors voilà, ceux-là je les tue pas, ils sont vraiment casse-pieds, faut vraiment bien sauter sur leur tête. Sinon tu te prends des dégâts. Voilà, là j'ai raté. Ça, c'est une magnifique plateforme qui prend feu, tu peux pas y rester 3 heures. Et je me souviens que dans ce. Pas de soucis, dans ce niveau, il me semble qu'il y a énormément de passages secrets. Il y a moyen de récupérer pas mal de vie. Bon, par contre, le design de ce niveau est quand même. Faut le dire, ce qui est. C'est pas très beau, quoi. Enfin, les ennemis sont stylés, c'est sympa, c'est mignon, mais par contre, la couleur violet, je sais pas si c'était un bon choix. Du coup, c'est pas très pratique. Enfin, bref. Donc là, on peut voir des petites feintes, des rochers qui tombent pour te mettre la pression. Je sais plus s'il y a un passage secret. Voilà. Bon, exemple de passage secret, là je suis dans le mur. J'ai traversé le mur. Et voilà ce qu'on y trouve. Voilà, je peux danser en plus. En secouant la tête. Donc voilà un des passages secrets. Voilà. Donc j'ai eu 2 vies parce que j'ai réussi à atteindre 100 anneaux. Et en plus il y avait une télé avec une vie. Donc du coup j'ai gagné 2 vies. 2 vies d'un coup. Normalement ça se joue à la manette, mais j'ai pas de manette, alors je fais ça au clavier. Alors ici je sais plus s'il y a un passage, je ne crois pas. Là faut pas se faire écraser. Voilà, ici y a rien, non y a rien. Merde. Hop, c'est passé.
Merde. Voilà, ce qu'il ne faut... Alors surtout, ne faites pas comme moi. Voilà. Ah. J'ai des problèmes. Oh, j'ai survécu. Miracle. Je me souviens qu'il y a un androïde à lave, elle te poursuit. Et à l'époque, ça me faisait peur. Bon, après, à l'époque, j'étais un enfant, quoi. Donc, Ah, voilà. Donc là, on arrive sur des zones un peu plus casse-pieds. Et il y a une zone, je crois que c'est dans l'acte 3, où c'est vraiment casse-pieds, parce que... Oula, j'ai peur de ce qui va se passer. Ouais, d'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire, ici. Ah. On va vite sortir de là. Ok, bon, c'était chaud. J'ai voulu tenter quelque chose, mais c'est raté. Allez, là, faut se dépêcher, sinon on se fait engloutir par la lave. Ou purée. Un petit peu de balançoire. Et on n'est même pas obligé de sauter normalement. Ouais, tu peux juste avancer au bon timing. Ça évite de faire des... un saut raté ou je ne sais quoi. Donc là, je prends de l'élan, je vais rouler. Voilà. Comme ça, ça me permet d'éviter de sauter. Et je suis sûr de ne pas me faire toucher. Alors, ça... On récupère ça. Est-ce que c'est... Je sais plus. Je sais plus si c'est la partie là qui est un peu dure ou pas, je me souviens plus. Ok, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc, pour non, c'est pas là. Là, ça va encore. Mais en vrai, au niveau des créations des levels, ils sont vraiment forts. Ah bah si, c'était là. En fait, faut pas oublier de sauter, sinon t'es coincé. T'es coincé et du coup tu es obligé de revenir tout en arrière et c'est un peu compliqué avec la lave. Allez, on continue. De concentration quand même. Ah bah voilà, bah ouais. Au moment où je dis ça, je me déconcentre, c'est magnifique. Mon dieu, il y a des mouches partout. Alors là, je crois qu'il y a deux possibilités. Non, c'est pas là. Parce qu'il y a un endroit où t'as le choix entre passer par en dessous à gauche ou passer à droite. Là, si tu veux faire des points, il faut tout casser. J'en ai raté. Tant pis. Ok. Il faut bon timing. Oui, ça va. Hop, et là on est invincible. Allez, on court dans la lave, on s'en bat les steaks. De cette expression. Est-ce qu'il y a un passage ici? Non. Ouh, j'ai eu chaud. Ouh là là. Est-ce qu'il y a un passage ici? Non plus. Je vais mourir à force de chercher des passages secrets. Parce que je les connais pas tous par cœur. Allez, dans l'anneau. C'est parti pour un niveau bonus qui donne le vomi. Et c'est parti, voilà. Ah bah ça a failli durer 2 secondes le niveau. Allez. Ah, c'est pas par là. Ah, c'est là qu'il faut aller, ok.
Non, remonte. Non. Ah, impeccable. Là, je sens que ça va m'énerver. Mon dieu. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est un continu. C'est-à-dire que quand j'ai plus de vie, si j'ai perdu toutes mes vies, je peux utiliser un continu pour recommencer un niveau à zéro. En fait, c'est comme si tu gagnais 3 vies d'un coup, un continu. Voilà. Et c'est pratique à l'époque où il n'y avait pas de sauvegarde. Voilà, faut que j'aille là. Ah non, non, tourne pas. Mais non. J'en ai marre. Aïe. Mais. Allez, allez, allez. Non, reste là. On se détend. Tout va bien. Ok, on laisse tourner le truc. Et on y retourne. Hop. Oh purée. Allez, va dedans. Allez, 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 allez. C'est bon. Plus que combien de niveaux? Oh là, je sais plus du tout combien il y en a. Ah, il y en a encore au moins 5 ou 6 zones qui comprennent chacun 3 niveaux. 5 ou 6 zones, mais c'est ça, qui contiennent au moins 3 niveaux, il me semble, mais... C'est sûr que c'est long. Après, il y a plein d'autres jeux où tu peux sauvegarder qui sont beaucoup plus longs, et un des jeux que je referai, c'est sûr, c'est Soleil. Soleil, c'est incroyable, c'est comme Zelda. C'est vraiment... ouais, c'est comme Zelda, c'est le même principe de jeu, mais il est vraiment super. C'est vraiment... C'est un de mes jeux préférés de Mega Drive, et en plus... Actuellement, il coûte 100€ ce jeu, Soleil. C'est considéré comme un collector. Donc voilà, donc à partir d'ici, on peut aller à gauche ou à droite. C'est deux façons différentes de faire ce niveau. Et il y en a un des deux qui est plus simple et je sais plus c'est lequel, donc on va y aller au pif. Ah bah bravo. Je suis en train de me suicider. Ça y est, je n'aime plus la vie. Je crois que j'ai pas pris le bon côté. Je crois que c'est pas le côté le plus simple. Oh purée. Qui c'est qui veut du hérisson cramé? Hérisson barbecue? Hérisson barbecue? Brochette de hérisson? Allez. En fait, ils se sont trompés. Je suis pas un hérisson, je suis une taupe. Vu que je suis en train de creuser. Oh les blagues. Oh là là, le niveau de mes blagues. En fait, pour que les blagues fonctionnent, faut avoir confiance en ces blagues. Du coup, faut que j'ai l'air sérieux quand je fais ça. Faut que je garde un air super sérieux et que je croie profondément en ma blague. Très important. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, ok, je suis dans la merde. Et là, je suis censé faire quoi, là? Là, je suis censé mourir, c'est ça? D'accord. Bon bah c'était ce passage là que j'avais oublié, que je me souvenais qui était dur, voilà, je suis mort. On recommence. Pourquoi je... Ah. Voilà. Voilà, voilà. Allez. On y va, on descend, on fait la taupe. Voilà, donc le premier, on fait rien. Voilà. Tranquillou. On est détendu. Voilà, on y va tranquille. Comment ça? Bah bravo, oui, bah je meurs. Donc là, je fais rien. Et au deuxième, je saute. Voilà, c'est comme ça. Et là, comme ça, c'est fait. Je crois qu'il y a un passage secret à droite. Ah, mes souvenirs ne m'ont pas trompé.
Et hop, une télé. Une télé avec un Sonic et une vie en plus. Et oh bah tiens, il y a un deuxième passage secret. Ah bah magnifique, je traverse toute la carte. Ah bah tiens, ok, pourquoi pas. D'accord. Bon, très bien, j'ai pris un raccourci, je crois. Ah oui, il y a des trucs que j'oublie pas, mais j'aimerais bien retenir des trucs qui sont utiles. Parce que retenir des passages secrets dans Sonic, je suis pas sûr que ça soit le plus utile. Par contre, je fais comment, là? Ah, faut que j'aille à gauche, ok. On est des pics. Après, le hérisson cramé, le... Pardon. Le hérisson en brochette. Ah bah tiens, on parlait de... Ouf. Ah, ce passage-là est très simple. Je l'adore. Voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. Et le boss, je me souviens plus c'est quoi. Ok, il y a du feu. C'est quoi le boss? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Ok. Oui, ça va, c'est tranquille. Au moins, ils sont gentils sur les boss. Ils t'ont déjà assez stressé sur le niveau. Du coup, ils te mettent un petit truc sympa, tranquille. Voilà. On a sauvé, cette fois-ci, des fantômes et des écureuils. C'est bien connu. Les fantômes sont des animaux très connus, hein, bien évidemment. Les fantômes, c'est un animal rare que vous pouvez trouver dans votre jardin. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ah, mon niveau préféré. Du coup, 14h50. Est-ce que je ferai pas une pause maintenant? Hop, la touche, c'est laquelle? C'est celle-là. Ah bah ça oui, un jeu à l'ancienne. Bon, ça c'est déjà le niveau 3. Bon voilà, si je fais n'importe quoi, ça commence bien. C'est le casino, et je me souviens que celui-là, à l'époque, il était vraiment, vraiment super dur. C'était terrible. Après, sur Sonic 2, il y a vraiment un niveau avec un casino qui est vraiment très rigolo. Où tu peux vraiment jouer à une roulette comme à l'ancienne. En gros, tu sautes dans une... Mince. Tu sautes, comment on peut appeler ça? Un peu comme les machines, quand tu baisses le levier, ça fait tourner trois images, et quand on a les trois images alignées, ça fait gagner des sous. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est pour gagner des anneaux. Voilà, donc c'est très rigolo. Ah, purée. Je me souvenais plus de... Ah oui, d'accord. Tout veut ma mort dans ce niveau. Ouais, c'est des machines à sous, ouais. Sauf que c'est des machines à anneaux. Et quand tu rates, il y a... C'est les trois images, c'est le boss en image, le docteur Robotnik, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, tu perds tous tes anneaux. Voilà. Et je passais des heures à m'amuser avec ce truc. Un passage secret. Donc là, vous pouvez voir que je suis dans le décor. Ah, ce jeu est vraiment bien construit, c'est vraiment un jeu de plateforme très bien construit, avec plein de petits trucs cachés. Je suis sûr qu'il y a des gens, il y a des choses que je connais même pas dans ce jeu. Alors que j'y ai beaucoup joué, il doit y avoir des cachettes que j'ai jamais trouvées. Et le bruit des ressorts pour sauter est incroyable. Je vais mettre ça en sonnerie de téléphone. Zut. Par contre, ça, les plateformes là avec les caisses, j'aime pas trop, c'est lent, je trouve, c'est très lent. Ça casse un peu le rythme, ce qui est vraiment dommage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord, ok. Oula, ah ok, sympa. Et c'est parti! Qu'il y a des passages secrets ici. Non. On va essayer de sauter au milieu là.
spéciale. Bon, il n'y a pas de passage secret, apparemment. Ah, là... Ah, mais bon, putain. Non. Ah, purée. Un anneau, s'il vous plaît. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau. J'en ai plus. Sauron, s'il te plaît. Ah, bah j'ai fini le niveau avec zéro anneau. Super pour les points. Magnifique. Ah bah là, c'est... Allez, niveau 2. On va sauvegarder. Et on est parti. Ça commence en douceur. D'accord, très bien. Cette fois-ci, les ennemis, quand on les tue, ils se transforment en poulette. Elle est où la poulette? Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence. Oh purée, c'était pas prévu ça. Ah. Voilà. Très bien, je veux des anneaux, moi. Je veux être les... Ah bah non. Non, mais les crabes, j'en veux pas, par contre. Allez, on va grimper, parce que j'aime pas les crabes. Ouais, ça commence à être un peu plus dur, là. Le niveau, là, c'est déjà autre chose, et bah... Mais ça va, c'est pas non plus horrible, quoi. Parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment trop durs. Celui-là, franchement, ça va. C'est pas facile, mais c'est amusant du coup. Ça veut dire que c'est pas trop simple, c'est bien équilibré. Ouais. Ok, il y a rien de spécial. Ah, ah. Ah bah tiens, vous connaissez pas la cachette là. D'accord, pas très utile. Mais... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Juste pour ça, c'est drôle. Eh bien, enchanté Nat. Oh mon dieu. Comment je fais pour sortir de là? Mais c'est l'enfer. Ah, ça y est. C'est l'enfer. Ouais, il y en a, ils jouent à Elden Ring, ils jouent à Dark Souls et tout, mais bon... C'est tellement plus... C'est tellement mieux, Sonic. Je veux dire, Dark Souls, le côté, c'est facile, quoi. Je veux dire, Elden Ring, c'est pareil, ça, c'est une facilité comparé à Sonic. Enfin, voilà. Je veux dire, si t'es un vrai joueur, tu joues à Sonic, quoi. C'est... Bon, bien sûr, je rigole. Mais bon. Enfin, je rigole. Sonic, quoi. Ou oh, purée. Mon dieu. Je crois qu'ils ont accéléré le mouvement des boules, là. Titre. Ah bah, si tu aimes bien ce jeu... Je comprends si toi aussi tu as joué pendant ton enfance, si t'as mon âge, je ne sais pas, vu que j'ai quoi, j'ai 32 ans, à peu près. Hein. Je fais pas attention, 32 ans environ. Hein. Ah non, purée, c'est vrai. Yeah. Allez, on est reparti pour un niveau, pour avoir le tournis. Alors pour ce niveau, je vous conseille d'y jouer avec 3 grammes dans le sang, c'est beaucoup plus amusant. Vraiment un conseil que je peux vous donner, hein, n'hésitez pas, hein, les cocktails, tout ce que vous aimez, tout peut y passer. Voilà. Et ça, vous aurez l'impression que ça ne tourne pas. Mais pour ça, faut boire, voilà. Faut boire beaucoup, hein, parce que c'est... Faut vraiment boire beaucoup. Oh, c'est chiant. Je vais y arriver. Allez. On se détend, on n'est pas stressé, tout va bien. Je ne sais pas où je vais.
Ah, c'est pas comme les jeux de maintenant, il n'y a pas une flèche pour me dire c'est par ici. Ah, ok, très bien. Oui, ok, je vais par là, donc là non. Peut-être pas. Ah oui, c'est par là. Nous avons trouvé l'endroit, nous allons essayer de récupérer l'émeraude une fois de plus. Et je crois qu'il en faut 7. Et une fois que t'en as 7, je sais plus ce que ça fait. J'ai, dans mes souvenirs, je crois que j'ai réussi une fois. Et je crois que ça m'avait rendu invulnérable. Mais pendant une période, pendant un niveau, je sais plus du tout. Ah, t'as le mal de mer, ça y est, bah tu m'étonnes. C'est horrible. Allez, voilà. Voilà, ça c'est fait. J'en ai 3 du coup. Mais je pense pas que j'arriverai à tous les avoir sur cette partie. J'ai gagné un continu, donc ça fait 3 vies. Voilà, l'équivalent de 3 vies. Allez, on est reparti. Zone 3. Et après on... Je sais plus... Alors par contre, la zone après le casino... Enfin, moi j'appelle ça le casino, mais je sais pas comment on pourrait appeler cet endroit. Je sais pas du tout c'est quoi le niveau d'après. Je me souviens pas. Je me souviens plus du tout, il y a quoi après ça. Et bah écoutez, on verra bien. Après ce niveau-là, je me souviens plus, c'est trop vieux. Mes souvenirs remontent à trop loin. Ah, purée. Ah, il va y avoir un passage secret en bas, et là, je vois des anneaux qui traînent. On va essayer d'y... Ah oui, voilà. Ouais, tu m'étonnes que ça fait du bien quand ça s'arrête. En vrai, c'est vraiment une bonne idée d'avoir créé ce niveau. Je trouve que c'est vraiment sympa à faire, et heureusement, ça dure pas trop longtemps. Et moi, je sais pas, je trouve ça vraiment amusant d'avoir rajouté des petits bonus comme ça à la fin du niveau. Enfin, ah non, je vais mourir, là. Écrasé. Ah non, ça va. Allez, on continue. Ok. Voilà. Donc si vous entendez le bruit de mes touches de clavier, c'est parce que je tape fort dessus. Ça, c'est quand je stresse, que j'ai peur de mourir. Donc je casse les touches de mon clavier. Ah, j'ai raté mon... Allez, on se détend. Ça va bien se passer. Voilà. Tout va bien. Voilà, c'est... Alors, si vous êtes nerveux, je vous le déconseille quand même. Ou alors... achetez-vous une manette ou un clavier très solide. Pour l'instant, ça va. On maîtrise la situation. J'ai 3 anneaux. Voilà, 3 anneaux. Un peu plus. D'accord. Ok, très bien. D'accord, alors ça, je connaissais pas. Ok. Ok, on va dans l'autre sens. On s'en fiche, on fonce. Allez, pousse-toi le truc, là. Allez, laissez-moi passer, je suis invincible. Je suis invincible, laissez-moi passer. Mon dieu, c'est quoi cet endroit? Je suis plus invincible. Ah, t'avais essayé d'y jouer. Ah bah oui, c'est sûr que si t'as été stressé, je comprends, c'est vrai, c'est vraiment un jeu qui faut avoir les nerfs accrochés quand même, c'est les jeux de plateforme, Si on est de nature stressée, je pense qu'on prend pas trop de plaisir. Bon, je trouve des... Alors là, je parle, je trouve des passages secrets à l'arrache totale, je fais pas exprès, hein. Voilà. J'avance à l'arrache. Ouh, purée. Oh, d'accord, ok, j'éteins... d'accord. Ah, le boss. Déjà ? Ok, très bien. Il meurt. Je ne t'aime pas du tout. Mais alors ? C'est chiant ce truc. Mais... Allez, casse-toi. Dédale. Ah non,
Ça y est, je me souviens, je sauvegarde. Alors oui, les niveaux là sont infâmes. Quand j'étais gosse, j'y arrivais pas. C'est le premier niveau dans lequel j'ai vraiment... Pourquoi je sauvegarde deux fois? Que j'ai bloqué, voilà, j'arrivais pas à les finir. Donc on va voir. Je vais essayer, je vous garantis rien. J'essaye. Il est stressant ce niveau. Oh là là, parce qu'il y a de l'eau en fait, tu peux mourir asphyxié. Enfin, c'est angoissant de mourir noyé. Et puis t'es lent sous l'eau. T'es super lent, t'es... Voilà. Et en plus la musique, quand t'as plus d'air, elle est infâme. J'espère ne même pas l'entendre tellement qu'elle est infâme cette musique. Allez, on sort de là, voilà. Puis ils te mettent une musique un peu drôle, un peu joyeuse, alors que tu risques de mourir noyé. C'est comme si le jeu, il était content que tu meurs. Allez, hop. Allez, sur le requin, on fonce. Ah oui, alors, ça, c'est pas bien. Ok, un anneau, si... un anneau, oui, s'il vous plaît. Allez, on est où là? Qu'est-ce que je fais? On va prendre de l'air. Voilà, donc les bulles permettent de prendre de l'air. Oui, pour éviter de mourir. Je vais essayer d'activer le truc là-haut. Donne-moi un anneau. Allez, allez. Ok, je suis dans le caca. J'adore ce niveau sous l'eau. Mais je vais y arriver. Raté. Bon, allez, je vais à gauche, tant pis. Et bah, y a rien à gauche. Je vais rester coincé là pendant 2 heures, ça va être magnifique. Ah, ok, j'ai compris. Ça y est, mon cerveau s'est activé. Ok. Ok, je vois les pièges. Hop. On descend en douceur. Un peu d'air, hein, on va pas... Allez, voilà. Ou purée. Allez, on va prendre l'autre. De l'air, de l'air. Qui installe des pièges comme ça? Ah, voilà. Non! Allez, on recommence. Ouais, bon, en fait, j'avais pas compris. Il fallait juste que je fasse ça. Heureusement que j'avais une protection. Il y a 3 zones comme ça. 3 zones sous l'eau. Enfin, c'est la même zone, mais il y a 3 niveaux, quoi. Et je serais content quand on l'aura fini. Oh, puis la musique est insupportable. Je vais te tuer. Voilà ce que j'entends maintenant. Je vais te tuer. Ça va me faire marrer. Voilà. Ah oui, ça m'en manquait plus que ça. Ah oui, faut se dépêcher là, purée merde. Juste. En fait, l'eau elle monte, elle fout des bouchons et après t'es coincé et tu meurs noyé. Je vais à droite. Il y a quoi à droite? Bon bah, j'ai pas le niveau bonus, je suis désolé, hein, j'ai pas assez d'anneaux. Je crois qu'il en faut 60 ou 50, enfin j'en sais rien, je vous dis des bêtises, hein, ça fait tellement longtemps. Oui. Je vais te tuer, je vais te massacrer, ça va me... Voyez-vous, il faut que je m'entraîne un peu au chant, mais je pense qu'il y a moyen de faire une musique.
On a créé un niveau pour te voir souffler. Ce qu'on espère, c'est que tu t'amuses pas. Et on veut juste te voir crever. On t'a mis des petits monstres qui ressemblent à rien. Mais c'est pas grave, on est là pour te tuer. Regardez. Désolé, c'est le week-end, je craque. Ah purée. J'ai regardé le chat, donc je me suis pris une boule. Titre. Elle est pas mal celle-là. J'ai regardé le chat et je me suis pris une boule. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre de l'air. De l'air, s'il vous plaît. Je veux pas entendre cette musique stressante. Alors. Oula. Ah oui. Ça, c'est du ressort. Ah d'accord. Il faut que je trouve un... Où est-ce qu'il est? Il doit y avoir un truc... Il faut que je trouve un interrupteur pour ouvrir là-haut. Ok, il est pas là. Peut-être à gauche. Mais... Pourquoi je... Ça y est. Je ne suis pas très doué. Je ne trouve pas l'interrupteur et je ne sais pas où il est. J'aimerais bien avancer. Je ne chante pas très juste, mais bon, c'est pas grave. Ce niveau me rend fou. Mais voilà, c'est tout. Je ne trouve des rimes, mais je... Mais il est où? D'accord, ok, bon. J'ai raté quelque chose, c'est pas possible. Ah si, attends, je crois que j'ai trouvé. Il était sous la caisse. C'est ça, là, vous voyez en bas? Il était sous la caisse que j'ai tapé les... Alors ça... Ça, les développeurs, non. Ah, ça, non. Alors ça... ça... Mais, oui, bon. Je... Voilà, j'ai réussi à appuyer dessus. Alors ça, non, je suis pas d'accord. Ah, les fumiers. Ils ont planqué un interrupteur sous une caisse. Je suis très mécontent. Je suis vraiment très désappointé. Allez, c'est parti, on continue. On retourne sous l'eau, c'est mon endroit préféré. Je suis toujours très rassuré quand je suis dans cet endroit pas du tout angoissant, hein, c'est-à-dire sous l'eau, sans pouvoir respirer. Allez, donne-moi de l'air, toi. Je vais me finir noyé. Je vais finir complètement asphyxié. Pourquoi tu me tires des boules? Je n'ai rien fait. Moi, je veux juste te sauver. Et toi, tu veux me tuer. Je me cache. Allez, tire tes boules. Voilà. Ah non, voilà. Bah, c'est cette musique. C'est cette musique que je veux pas entendre. Ça, c'est quand t'as plus d'air. Allez, on continue. On continue, c'est parti. Où est-ce que je vais? Ah non, pas les pics. Hein. Ah non. Je suis déjà mort écrasé tout à l'heure, c'est bon. Oh purée, la musique stressante. Est-ce que j'ai fini? Dis-moi que j'ai fini le niveau. Ok, 75 pièces. Bah, anneau, on a le niveau bonus. Pour toutes les âmes sensibles et qui sont sensibles au tournis, je vous conseille de ne pas regarder ce qui va suivre. Ou alors prenez un seau à côté de vous et bah voilà, vomissez ce que vous pouvez quoi. Alors je sais pas où je vais. Alors ne pensez pas que je sais ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Voilà, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je dois aller. Je suis comme vous. Je suis là. Ça tourne dans tous les sens. Il y a un chemin qui est pas indiqué, donc je voilà. Et j'ai trouvé le bon endroit du premier coup, donc j'ai de la chance, on peut le dire. Et j'ai fini le niveau, voilà, allez, hop, c'est bon. La chance était avec moi.
Et j'ai gagné un continu. Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. Et on est reparti. Allez, c'est parti. Alors eux, ils se pensent invisibles, alors qu'on voit leur nez dépasser, quoi, non mais... Ah, ils nous voient pas, on est caché, alors que t'as le pif qui dépasse, quoi. Pourquoi ça... Mais... Ok, très bien. D'accord. Ça va, je m'en souviens de ça. Ah. Ok. Ça c'était mal géré de ma part. Qu'est-ce qu'ils m'ont réservé? Qu'est-ce qu'ils m'ont réservé là? Franchement, je le sens pas. Il y a encore plein de niveaux derrière, donc ça se trouve. Bah, ça se trouve. Ça va être encore pire après. Ah, bah, la musique, oui. Après, la musique, je peux baisser s'il faut. Hein. Je peux baisser le son de la musique. On sait pas. C'est pas un souci si vraiment la musique vous... Ou alors baissez votre son. Baissez votre son pour pas trop souffrir de la musique. Ah. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Allez, on recommence. Ok. Je sais plus par quoi je suis mort tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je me souviens plus. Parce que j'ai pas de mémoire en fait. Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Je suis mort et écrasé par des pics. Faut que je prenne de l'élan en fait. Voilà, comme ça. Allez, on continue. Ouais, moi aussi j'ai hâte de changer. Oh purée. Oui. Mais. Mais laissez-moi vivre! Ah non, c'est pas par là. Laissez-moi vivre! Laissez-moi vivre! Oh. Hop, hop! Oh là là! Oh non! Ah, je vais mourir, il y a des pics en dessous, je le savais. Je crois que j'avais même pas. S'il y a pas. J'ai oublié de commencer depuis le début? Non. Je suis désolé, j'ai paniqué. Allez, je me concentre. Je me concentre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez absolument rien vu. Répétez après moi. Vous n'avez absolument rien vu. C'est la première fois que je fais ce niveau. Je ne suis pas mort deux fois. Ce n'est pas vrai. Exactement. C'est normal, il s'est rien passé. Voilà. Sonic est invincible et je joue parfaitement bien. Je maîtrise absolument le jeu. Je ne suis pas du tout angoissé d'être sous l'eau. Mais regarde à la vitesse où ça tourne. Fait des développeurs, oh on sait pas quoi inventer, on va mettre la même chose, mais on va faire tourner ça 4 fois plus vite. Non, je plaisante, hein, j'adore ce jeu, c'est juste pour faire des vannes, c'est tout. Et comme on sait bien, la meilleure façon de faire des vannes, c'est de rabaisser les autres, c'est de critiquer, je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, bien évidemment. Non, surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça. Voilà, donc là on y va tranquille, je suis mort où? Ah oui, les pics, il y a des pics en dessous. Donc là, on fait ça. Et il y a un truc pour être invulnérable, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît, ça. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut aller à droite? Par contre, je crois que ça empêche pas de mourir de la noyade. Hop, on
on a récupéré de l'air. Je crois qu'ils ont mis de l'air là. Allez, vas-y, fonce avant de plus être... Voilà. On se détend, on prend de l'air et on y va. On prend de l'air et c'est parti. Voilà. On reste calme. C'est vrai. Allez. Invulnérabilité. Ils ont eu pitié. Le jeu, ils se sont dit, on a pitié d'eux, on va quand même mettre des trucs pour être invincible parce que... Allez, donne-moi de l'air vite fait. Un petit continu. Alors ici, si je peux ne pas tomber, comme ça, je gagnerai du temps. J'aurais dû prendre de l'air. Je vais crever. Est-ce qu'il y a de l'air là-haut? Non, ok, on prend de l'air là. Donne-moi de l'air, sinon je vais mourir. Merci. Je pense qu'on est pas mal lancé. Je pense que là, on va y arriver, on va finir le niveau. Et je pense qu'on va enfin pouvoir sortir de cet endroit. Oh, cette musique. Des fois, je pense que... Ah, j'ai plus d'air. Ah, ça va. Je pense que les développeurs, au niveau de la musique, ils se sont dit, tiens, ça change de sens, très bien. Et c'est quoi le but? Ok. Je vais te tuer, et je vais te tuer. Regardez, nous tout ce qu'on veut, c'est que vous m'achetiez. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on est sadique. Faut que je trouve une rime en i, mais je ne trouve pas. Du coup, mon chant est tout pourri. Voilà. Ah oui, là, faut que je me mette sur un bouchon. Faut que je me mette sur l'autre bouchon. Et faut que je me manne le fion. Si je me manne pas, je reste coincé. Et après, bah, je meurs noyé. Voilà. Donc là, on se manne, on se dépêche. On s'arrête pas. On prend la protection. Et ah oui d'accord, donc là faut se dépêcher et le boss. Ok. Je crois qu'il faut juste arriver en haut. Et il y a l'eau qui monte. Histoire de te stresser, tu vois. Ah, je déteste ce boss. Non, pas l'eau. Pas l'eau. Palomides, pas l'eau. Saloperie de merde. Je vais mourir noyé. Ça va. Je vais mourir. Casse-toi, toi. On a sauvé les fantômes. Les fantômes et les pingouins. Ah, j'en pouvais plus. Voilà. Espace. Mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait comme musique. Je suis pas... Vous êtes pas prêts. T'es dans l'espace, t'as l'impression d'être au Club Med. Par contre, c'est joli. Ah, des bombes qui explosent. Très bien. Bah, ça va être de plus en plus dur, je crois. Hein. Si, ça c'est des cadeaux. Bah en vrai, dans les Sonic, le 1, il est bien, mais c'est très très loin d'être mon préféré. Oh purée. À partir du 2, c'est vraiment, vraiment, j'adore quoi, mais... D'accord, très bien, ils mettent des ventilateurs. Ils se sont dit, on va mettre des ventilateurs. Ah, c'est des boules de feu ça, très bien. Bon. Vous n'avez rien vu. Je ne suis pas mort. C'est dans votre imagination. Comment voulez-vous mourir avec une musique comme ça? Ce n'est pas possible. C'est une musique, on ne peut pas mourir en fait. Avec une ambiance pareille, t'as pas le droit de mourir. Pourquoi je cours en arrière? Pas passé. Ah!
Alors Sonic, beaucoup de jeux. Il y a Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic et Kick Knuckles, Sonic Pinball, Sonic 3D, Sonic les lapins crétins, non je plaisante. C'est déjà pas mal, il y en a plein d'autres hein, parce qu'ils en ont refait récemment même, donc il y a des Sonic qui sont sortis sur la Nintendo DS, genre Sonic et les Jeux Olympiques. Bon ça n'a rien à voir avec un jeu de plateforme, hein, c'est un. Voilà, mais il y a eu plein de dérivés. Mais j'ai cité tous ceux que je connaissais. En tout cas sur Mega Drive, il y a vraiment Sonic 1, 2, 3, Sonic et Kick Knuckles, Sonic 3D, Sonic Pinball. Je sais plus s'il y en a d'autres. Ça fait longtemps. Je préfère lesquels? Je préfère Sonic 2. Sonic 3 est vraiment bien aussi. Sonic et Kick Knuckles, il est vraiment bien aussi. Sonic Pinball, il est sympa, mais bon, ça reste un pinball. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas bête ce qu'ils ont fait en plus. Et Sonic 3D, je l'ai fini aussi. Mais par contre, Sonic 3D, comment dire ça? Comment dire? Il faut s'habituer à comprendre comment bouger le personnage parce que c'est en 3D et c'est pas forcément intuitif, c'est pas forcément. Parce que là c'est facile, tu vas à gauche ou à droite. Mais dans Sonic 3D, c'est pas de la 3D ultra bien. Enfin, c'est un peu. Il est. Franchement, il est bien, mais. Moi je l'aime bien, mais il est dur à manier. Enfin, c'est pas facile. C'est un coup à prendre, quoi. Mais j'arrive pas à grimper. Allez, Sonic fait un effort. Et il y a une grosse différence entre Sonic 1 et Sonic 2. À partir du 2, on peut... Alors, je vous montre. Hein, on peut se mettre comme ceci. Et on appuie plusieurs fois sur la touche de saut ou la touche B, je sais plus. Et ça va permettre de faire une accélération en boule. Ouais, j'explique très mal. Mais si vous êtes encore là pour Sonic 2, je vous montrerai. Alors que là, tu peux juste courir et tu peux... Pour faire la boule, il faut courir et appuyer sur la flèche du bas. Voilà. Alors que dans les autres, tu peux le faire sans... juste en appuyant sur une touche. Je vais où, là? Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Je suis perdu. D'accord, ok. J'ai fini le niveau? Oh oui, j'ai fini le niveau! J'espère que vous êtes confortablement installés. Nous allons commencer le niveau où l'alcool, l'alcool recommandé est de 3 grammes. En plus, c'est le week-end. Profitez-en. C'est là que je dois dire l'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. Je suppose. Alors, pour ceux qui connaissent pas, là, il faut que je récupère un émeraude. Parce qu'en fait, c'est un peu la drogue de Sonic. Et il se shoot à la poudre d'émeraude. Et bah du coup, bah voilà, là il en manque, il faut que je récupère un sac. C'est pour ça que tout tourne. C'est parce qu'il en manque de drogue. Voilà, donc il imagine des niveaux très bien construits. Des niveaux qui ont un sens. Voilà, avec des oiseaux qui volent à l'arrière. Enfin, c'est... Mais je parle très sérieusement, hein. Moi je connais très très bien le scénario de Sonic, hein. C'est Sonic est un dealer à la base. Allez, on continue. Je raconte que des bêtises. Descend. Oh mon dieu, ça va trop vite pour moi. Et on continue. Après, si on finit le niveau rapidement, ça peut être bien aussi. Et allez. Ah, j'ai raté. J'aurais bien aimé être allé... Parce que je crois que là, il y a le vide en dessous et j'ai pas trop envie de mourir encore. Parce que j'ai que plus de 3 vies. Donc si on veut pouvoir finir le jeu, c'est mieux d'avoir encore un... Oh purée, j'avais oublié ce truc. Zut. Ok.
Voilà, bon, c'était exactement ça que je voulais éviter. Allez, c'est reparti. Et un tour gratuit. Ouais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bugs, hein, parce que vu que ça fait pas longtemps que j'essaye de stream, je sais pas trop si vous avez une qualité correcte. Enfin, je ne sais pas si ça tourne bien ou... Non, faut pas que je meure. J'ai pas envie de recommencer. Allez, alors ça c'est chiant. Ah oui, ok, j'ai compris le délire. Voilà. J'avais oublié à quel point Sonic 1 est quand même dur. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des bugs et tout. Non, mais n'hésitez pas à me le dire, quoi, c'est tout. Parce que des fois, je sais que ça bug. Ah, fin du niveau. Ok. Allez, on pourra faire le niveau suivant. Purée. Oh, mais laissez-moi tranquille. Avec vous. Maintenant, donne-moi l'anneau. Oh, purée. Je vais faire un infarctus. Je vais faire un infarctus. Je vais faire un infarctus. Ouh la 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 la. Cette petite musique est vraiment sympa. Non, non, non. Je ne veux pas mourir encore une fois. J'aimerais bien finir Sonic 1 pour passer à Sonic 2. Oh putain, non. Non. Oh là 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 là. Okay. Ouais, bon. Oui, je continue. Allez, on continue. Ce niveau est un enfer. Ce niveau est un enfer. Ah, je vais... J'y arrive pas. La la. J'ai comme qui dirait un petit problème. Tout va bien, je perds patience. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, on fait comme ça. Intéressant. Je pensais que l'autre bombe serait partie aussi. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. On y croit. Un compteur. Oui, alors je ne sais pas comment on fait encore. Hein. Je ne sais pas du tout comment on fait. Oh, les boules de feu. Ah, je me suis trompé de touche. Hop, on va récupérer la nouvelle vol. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mon titre de live? Mais Laisse-moi passer.
j'y arrive pas. Et si on roule? Non, ça marche pas non plus. Ah oui, aussi, c'est pas bête. Ah merde. Ah. Ou alors? Oui, d'accord, ok, j'ai compris. J'avais pas compris le fonctionnement. C'est vraiment l'enfer. Ah oui, je me souviens du boss là. Ah oui. C'est tendu, c'est tendu. Ok. Ah merde. Ah bah c'est sûr qu'à force... Je suis moins concentré, mais c'est normal. Oui, c'est assez court. Normalement, c'est pas très long, Sonic. Sauf quand tu meurs 20 fois, comme j'ai fait il y a pas longtemps. Je me souviens plus, je t'ai dit, hein, j'y jouais, j'avais peut-être 14 ans. Je me souviens plus du tout. Alors, comment on fait ça, déjà? Ah oui. Ceci et après on fait ça. Moi je sais pas, ça fait combien de temps que je suis dessus là. Ah ouais, mettre vraiment des trucs. Là, les vers de terre en bas là. J'en peux plus de ces ennemis. Allez, poussez-vous. S'il se retournait encore, je pourrais le tuer, mais... Allez. Avec des petits trucs électriques au-dessus, histoire que tu puisses pas sauter au mauvais timing. Allez, on va tuer celui-là en roulant. Ah oui, bah c'est bien déjà. Mon dieu, il est lent. Mais il va me laisser passer, oui. Allez, ça c'est fait. Ah oui, non mais c'est pas grave. Hein. Ok. Ouais, ça va. Je sais pas, je me souviens un peu si ce niveau il est dur ou pas. Ça, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais... Ok. J'ai rien dit. D'accord. Il y a un truc en dessous. D'accord, donc ça, c'est des pièges. Ça, ça permet de remonter, je suppose. C'est quoi le but? Ah, ok, je viens de comprendre. J'ai compris. Donc, faut sauter au bon timing.
Et c'était pas le bon timing. Bon, faut que je saute à peu près. Allez, cette fois-ci c'est bon. Ok, je m'en doutais. On va y arriver, hein. C'est... Dans combien de temps, je ne sais pas. Allez, ça foire. Ah, ils mettent le paquet sur les derniers niveaux. Je sais qu'il y a des jeux bien plus durs, mais bon, quand même, les deux. Ah. Oups! Ok, on va essayer de pas crever. Ah ça! Cette fois-ci, je vais pas trop vite. Voilà. Voilà, comme ça, on ira plus vite. Ah, d'accord, je viens de comprendre. C'est fait. On s'est raté. Ok, on a du bol, on est tombé sur le truc. On va essayer de pas mourir. On s'en sort pas mal. Un peu de... Oui, ça me va, ça. Un peu d'anneau, j'en avais plus beaucoup. Ah, ça, c'était pas prévu. En tout cas, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que de votre côté ça rame ou pas? Est-ce que vous voyez l'image correctement? Parce que vu que je... Oh là, je fais n'importe quoi. Dès que je parle, c'est une catastrophe. Ok, on est là. On a fini le niveau, c'est bien. Allez, au suivant. On n'a pas eu le niveau bonus par contre, mais bon. Casse-tête acte 2. Petite sauvegarde. Allez. Ok, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, ok. D'accord, on peut passer par là, on va essayer. Un petit ascenseur. Ah zut. Est-ce qu'il y a des ralentissements ou ce genre de choses? Bah je sais pas s'ils ont accès au chat en fait, j'en ai aucune idée. J'espère que oui. J'espère que j'ai fait des bons réglages. Oh la vache. Ce niveau est vraiment pas facile. Allez, qui veut du hérisson au goûter? C'est bientôt, c'est l'heure du goûter là. Hérisson brûlé au goûter. Qui veut du hérisson au goûter? Ah là là. On va y arriver. Ah, c'est horrible ça. Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre.
Très bien. D'accord. On va rouler. Il est vraiment dur ce niveau. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Allez, on va monter. Ah, bon, bah on va descendre. Invincibilité, c'est parti. On va essayer de faire ça. Bon. Voilà. Ah non. La non-chance. Je sais pas si c'est le bon chemin, mais je passe par là. Oh là là, je suis pas concentré. Donne-moi un anneau, il m'en faut moins. Voilà. Je finis le niveau avec un anneau, quoi. Une vie, un anneau. Et encore, heureusement, j'ai utilisé la sauvegarde, parce que sinon, j'aurais dû recommencer le jeu depuis le début. Ah, si, c'est la fin du jeu, en fait. C'est la fin du jeu, et c'est le boss final. Du coup, je vais sauvegarder. Ce serait dommage de tout recommencer. Ah non, pas encore. C'est pas encore le boss. Il reste un niveau. Et après, c'est le boss. Donc, ça, c'est le dernier niveau. Oh, puis il y a de l'eau, forcément, tout ce que j'aime. Je supporte pas ces trucs. Je sais pas où je vais, hein, je... problème, Houston. Il me faudrait des bulles d'air, ça serait bien. Voilà. Hop. Non, c'est vraiment un très bon jeu de plateforme, Sonic. On va pas descendre, je vais essayer de monter. Ah, on a un problème. Il me faut de l'air. Ah, continue, donne-moi, continue. Est-ce que j'ai encore un continue? Ouais. Allez, on va sauvegarder là, c'est mon dernier continu, alors du coup, il me reste 3 vies pour finir le jeu et ça sera très bien. Ouais, c'est vraiment dur. Allez, descends. Ah bah, j'ai pris un raccourci, j'ai l'impression. Voilà. Allez, on reste concentré. Allez, juste... j'arrive plus à parler. Tu t'y serais repris à 10 fois. Bah oui, après moi j'ai une excuse. Enfin, je connais le jeu, donc normalement... c'est normal que je m'y reprenne pas à 10 fois, quoi. C'est sûr que si tu as jamais trop joué, et puis il faut avoir l'habitude de ce genre de jeu. C'est un coup à prendre, hein. Puis c'est pas ultra maniable quand on n'a pas l'habitude. Surtout que je suis au clavier, là, donc c'est pas terrible. Mais bon, ça se fait. Je m'amuse. Allez, un peu d'air, merci. Ok. De l'air. Oh, les bâtards.
ça franchement c'était vraiment pas sympa de leur part. Ok, j'ai pas d'anneau. Ok. On a des anneaux. C'est bon, on est sauvé. Parlons pas trop vite. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Faut pas que je retourne en bas, quand même. Oh. Bah tant pis, allez, on va dans l'eau, hein, une fois de plus. Une fois de plus, nous retournons dans l'eau pour mourir noyés. Oh, là, 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 mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Oh, purée, faut que je me dépêche. Je vais mourir noyé. Allez, de l'air. Allez, 5 secondes. 5 secondes, 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes, 1 seconde. Oui. Je suis vivant. Je ne sais... Voilà. Juste à temps, comme on dit. Je ne sais pas où je dois aller. À droite, je pense. Allez, en vrai, je prends le temps, hein. Je prends 2 secondes, hein. Je respire un peu, enfin, je respire un peu, je suis sous l'eau, mais... Allez, allez, allez... Ah bah oui, oh les enfoirés. Ok. Putain. Les fumiers. Allez, on recommence, c'est pas grave. Ouais, c'est le dernier niveau, hein, ils ont mis le paquet. Voilà, on passe comme ça. Là. Là, faut que je me mine le fion. Allez, on se dépêche, on est patient, on s'énerve pas. On a le temps. On stresse pas, on a le temps. Là, il y a un truc qui fait... Voilà. Là, on avance. Et on récupère. Voilà. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais le timing est quand même chaud. C'est vraiment un timing pourri. Allez, cette fois, on n'y va pas trop vite. D'accord. Là, on se dépêche. Bon, c'est impeccable. Là, je suis vraiment au boss et j'ai pas d'anneau. Je sauvegarde. Allez, c'est parti. D'accord, ok. D'accord. Ok, j'ai compris l'idée. Ça va, c'est pas trop dur. C'est pas si simple. Ah, j'aurais pu le toucher, mais je me suis trompé de touche. Fumier. Être rapide, hein. Le timing est assez serré quand même, mine de rien. Ok, on a touché. Ça va peut-être être les deux du milieu. Ah, voilà, je peux pas faire grand chose. Allez, on touche.
En gros, là, si tu veux, la strat, c'est quand... En fait, le Robotnik, il est dans un... Tu vois, il est caché dans un des pouces-pouces, je vais appeler ça comme ça, qui descendent ou qui montent pour m'écraser. Et en fait, faut réussir à le taper au bon timing. Il apparaît aléatoirement dans un des quatre. Donc, faut esquiver de se faire écraser tout en le tapant. Oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué, je suis désolé. Où est-ce qu'il va être? Allez, on l'a retouché une fois. Ah bah là, par exemple, dans cette position, je pouvais pas le toucher. Ah, je l'ai touché, mais j'ai pas fait exprès. Il a beaucoup de points de vie. Je pense que là, il est bientôt fini. Si je meurs pas... Allez, je croise les doigts pour que j'ai plus qu'une seule fois à le toucher. Et voilà, c'est fait. Presque, ouais, c'est chaud quand même. Allez, poursuivons-le. Il a fui ? Quoi, c'est pas fini ? Ah si, c'est fini, ça y est. Ouh.